Namasté, bonjour à tous. Donc sur une initiative de Michel pour le studio de Yoga Garden Paris, nous allons, Julie, Sébastien et moi, Elodie, vous proposer des vidéos courtes avec des salutations au soleil. Vous le savez, il y a énormément de variations différentes au niveau de la salutation au soleil. Donc je vais vous proposer une version intermédiaire, en vous donnant quand même des petites modifications. Et le but, ce serait, dans ces moments difficiles, de profiter de ce temps-là pour prendre soin de vous et pratiquer au quotidien ces salutations au soleil. Vous pouvez la faire une fois, vous pouvez la faire deux fois, trois fois, jusqu'à 108 fois si vous le souhaitez. Et puis, je pense que Michel vous expliquera mieux que moi le principe. Ce serait de vous filmer pendant vos salutations et de pouvoir nous les envoyer. Et ça nous ferait un joli melting pot de vidéos, de salutations au soleil, pour partager avec tous notre espoir et notre énergie positive. Donc, je vais me placer pour vous expliquer la salutation au soleil version intermédiaire. Vous allez vous placer sur vos tapis. À l'avant du tapis, les deux pieds sont joints. Si vous ne vous sentez pas à l'aise les pieds joints, n'oubliez pas, vous pouvez écarter légèrement les pieds, donc je me mets face à vous. Vous pouvez écarter légèrement largeur de bassin. Vous pouvez même rentrer légèrement les gros orteils vers l'intérieur pour vous sentir plus stable. Sinon, ça sera les deux pieds collés. Placez-vous à l'avant du tapis, les bras le long du corps et prenez un temps avant de démarrer pour vous préparer. Pensez à placer votre respiration par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Détendez bien les épaules loin des oreilles, activez votre centre. Vos jambes sont allongées, les orteils sont bien étalés dans le sol, le poids du corps est bien réparti sur toute la surface de votre pied. Aspire le nombril, descend bien le sacrum vers tes talons, dégage les épaules loin des oreilles, les bras le long du corps, les paumes de main face vers l'avant. Le regard loin devant, la mâchoire détendue. Et nous allons démarrer ensemble. Inspirez, montez les bras par les extérieurs jusqu'à ce que les paumes de main se touchent. Regardez vos pouces. À l'expiration, inclinez vers l'avant. Jambes tendues ou jambes pliées si vous le souhaitez pour placer les mains à côté de vos pieds. Prochaine inspiration, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Creusez dans le bas du dos. Ouvrez le cœur et regardez vers l'avant. À l'expiration, je place mes mains à côté de mes pieds. Je vais reculer ma jambe droite d'un grand pas à l'arrière. N'oubliez pas que votre genou gauche doit se trouver à l'aplomb de votre talon. Votre jambe à l'arrière est tendue, puis vous relâcherez le genou. Vous détendrez le pied à l'arrière. Prochaine inspiration, je serre les omoplates et j'ouvre le cœur vers le plafond. À l'expiration, je replace mes deux mains à côté de mon pied avant. Je crochette les orteils du pied arrière, j'allonge ma jambe arrière et je vais reculer la jambe gauche à côté de la jambe droite pour une planche. Je prends une grande inspiration dans cette posture de planche. À l'expiration, je vais plier mes genoux dans le sol, plier mes coudes, amener la poitrine entre mes deux mains. Le menton au sol, les fesses restent au-dessus du sol. Prochaine inspiration, je vais passer à travers mes mains. Je vais serrer mes omoplates, serrer mes coudes vers l'arrière, monter le cœur vers l'avant pour la posture du cobra. Puis je vais crocheter à nouveau mes orteils, je me repousse du sol, je viens m'asseoir sur mes talons pour la posture du chien tête en bas. N'oubliez pas que dans la posture du chien tête en bas, vous pouvez garder les talons au-dessus du sol, vous pouvez bien évidemment fléchir vos genoux. L'essentiel, c'est d'allonger votre colonne vertébrale et de placer vos oreilles au niveau de vos biceps. On peut sinon presser les talons dans le sol. N'hésitez pas à ramener un petit peu les pieds vers vous si vous vous sentez plus à l'aise. Poussez bien dans vos mains. Écartez bien vos doigts. Les majeurs sont centrés. Je monte les ischios au plafond, ce sont les os de mon bassin. Je monte vers le ciel et j'ouvre bien l'arrière de mes jambes. Puis je viens à nouveau lever ma jambe droite. Je viens ramener ma jambe droite entre mes deux mains. Je viens relâcher mon genou et je détends dans mon pied. Je prends à nouveau une inspiration pour ouvrir le cœur à l'avant.
À l'expiration, je replace mes deux mains à côté de mon pied avant. Je crochète le pied arrière et je vais ramener la jambe arrière, donc ma jambe gauche à côté de ma jambe avant, à côté du pied droit. Prochaine inspiration, je vais creuser dans le bas du dos. Main sur les tibias ou sur les cuisses, jambes tendues ou jambes pliées pour ouvrir le cœur à l'avant. À l'expiration, je bascule à nouveau le buste vers l'avant, le front vers les genoux. Je déroule la colonne sur une inspiration et éventuellement, je peux rajouter un petit cambré en montant le cœur au plafond. Et à l'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. J'ai pris cette première fois pour vous prendre le temps de tout vous expliquer. On va le refaire ensemble à gauche. Je vais donc me mettre à l'avant de mon tapis. Et je vais le faire avec les inspire et les expire dans le rythme. Placez-vous les pieds joints ou légèrement écartés, bras le long du corps, épaules loin des oreilles, regardez loin devant vous. C'est parti. Inspirez, montez. Éventuellement, on va chercher un peu plus loin. Expirez, inclinez le buste à l'avant, jambes tendues ou jambes pliées, placez les mains à côté de vos pieds. Inspirez, creusez dans le bas du dos, jambes tendues ou jambes pliées, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, replacez les mains, reculez votre jambe gauche à l'arrière et relâchez le genou. Prochaine inspiration, serrez les omoplates, ouvrez le cœur à l'avant. À l'expiration, replacez les mains à côté du pied avant, crochetez le pied arrière, placez le pied avant à côté du pied arrière, vous êtes en planche. Inspirez. C'est sur l'expiration que vous poserez les genoux, plierez les coudes, amenez la poitrine entre les deux mains, le menton au sol, les fesses au-dessus du sol. Prochaine inspiration, serrez les omoplates, serrez les coudes, levez le cœur à l'avant, ouvrez la gorge. Expirez, crochetez les orteils à l'arrière, repoussez-vous d'abord sur vos talons pour la posture du chien tête en bas. Dans cette posture, vous pouvez prendre une seule respiration ou prendre plusieurs respirations. N'hésitez pas à presser les talons dans le sol, à allonger vos jambes, à placer les oreilles entre vos biceps, étirez la colonne vertébrale. Écartez bien vos doigts et poussez contre le sol. À l'inspiration, je monte à nouveau ma jambe gauche. Et je viens placer mon pied gauche entre mes deux mains à l'avant. Je relâche mon pied droit à l'arrière et je détends mon pied. Prochaine inspiration, ouvrez le cœur. À l'expiration, replacez les deux mains à côté de votre pied avant. Crochette les pieds du pied arrière et ramène ton pied arrière à côté du pied avant. Prochaine inspiration, creusez dans le bas du dos, jambes tendues ou jambes pliées. Ouvrez le cœur. Expirez, inclinez le buste, placez à nouveau le front vers les genoux. Inspirez, montez les bras, éventuellement allez chercher légèrement vers l'arrière, sans casser dans le bas du dos, tendez vos jambes. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Et voilà, j'ai partagé avec vous une salutation au soleil, version intermédiaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Namasté.